Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Mad Max en compagnie du Mad Marcus, hein, comme d'habitude. Et de Max aussi, tant qu'à faire. Hein. Et donc, comme je vous l'ai promis dans le précédent épisode, nous allons aller nous faire un petit truc. Nous allons aller nous faire, tout simplement, un campement. Et donc, on va pas choisir un campement au pif, on va peut-être choisir un petit peu le campement en question. En l'occurrence, dans cette zone-là, il m'en reste déjà deux à faire. Donc là, je n'aurai plus rien à faire, c'est bon. Dans cette zone-là, il me reste quelques campements et plein de trucs à faire. Et donc, avant d'aller faire ces campements, je sais pas trop lequel. Celui-là, on en a pas encore fait. Il y a un caïd, c'est ça, dedans. Difficulté 2. Ici, on a une relique historique. Ici, on a des emblèmes et de la ferraille. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose avec une pièce puits de pétrole? Ici, éclaireur. Ici, on a un truc que j'ai pas pris. Et ici, on a puits de pétrole aussi. Donc, puits de pétrole, on l'a pas. Bah, je pense qu'on va retourner dans cette zone-là. On va en profiter pour faire toutes les petites décharges. Ouais, on va partir là-dessus. On va faire toutes les petites décharges. Ensuite, on va aller voir les points. Enfin, on va faire comme ça en fait. On va passer là. On va faire décharge là. Décharge là. Peut-être le truc là. Décharge, décharge. Ensuite, on ira là. Et ensuite, je pense qu'on verra où est-ce qu'on en est dans l'épisode déjà. Hop, on va là. Alors, c'est parti. Allons-y. Donc, j'espère que j'ai pas fait test son sur cet épisode. Mais bon. J'ai pas fait test son, j'aurais peut-être dû en faire un, hein, tant pis. Oh le pauvre. Oh. Ah bah oui, poursuis-moi, tiens. Ose. Oh, il m'a touché. Bien joué. Allez, bouffe. Pendant 5 secondes, une fois. Monstre sauvage niveau 2. Ah, on a des points par contre à les dépenser chez l'autre tintouin. Défense du périmètre éliminée. Cool. Mais c'est pas ça que je veux faire. Oh, alors vous. Bim. Voilà, ça t'apprendra. Par contre, t'aurais presque pu sauter sur la voiture, toi. Désolé de te le dire comme ça, mais t'aurais même dû, je pense. Hein. T'aurais dû sauter sur la voiture. Vu qu'ils font une voiture en voiture, ils doivent pouvoir sauter assez haut pour aller. Enfin, je pense. Allez, pour la forme. Ah non, tant qu'il n'y a pas le 8, c'est pas beau. Voilà, c'est dit. Y'a des gens? Ah, y'a des gens. Dommage que j'ai pas le Jackson. Ça aurait été bien, bien kitsch. Salut les mecs! Punition sur un. Donne-moi ton couteau. Ah, il est mort. Voilà. Parfait. Bon bah je prends ton couteau. Hop, merci. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Pièce. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool, un petit peu de kérosène. Enfin, de gasoil. De gaspi, comme ils disent dans le jeu. Ça c'est vraiment, vraiment cool. Oh, mais regardez-moi ça, chers amis. Moi, je vais être tout à fait franc avec vous. Ça me rappelle énormément, même Skyrim. On avait tous rêvé en voyant les différents. Bah alors. Et t'es vide. Il était vide. Ah, le sac. On avait tous rêvé en voyant le soleil et les nuits et le ciel, tout simplement. Le ciel de Skyrim. Et franchement, on a fait une superbe évolution depuis. Que ce soit avec les différents modes. On pouvait, quand on modait Skyrim, bon, vous avez tous vu, je présume, le Bob Lennon. Non, franchement, je trouve que c'est une belle évolution qu'on a fait sur ce principe-là. Hop.
Bon, je n'ai pas vu du coup le la pièce, excusez-moi. Peut-être par là. Elle est là. Parfait. Hop. Tellement de projets, 1 sur 4. D'accord, pourquoi pas. Explorer 13 décharges, bah tant mieux. Pas besoin de récupérer à manger, ça c'est cool. 16 points, va vraiment falloir qu'on aille les mettre à mon avis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire dans le coin? Ici. On y va. C'est parti. Tempête de sable. Où ça? Dans le jeu, il y a vraiment les tempêtes de sable, chers amis. Hein. Bon, bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Boum! Allez, faut qu'on le rattrape. Me frotter à lui un petit peu. Voilà. J'ai cru voir du gasoil. Alors déjà, il y a un petit peu de ferraille, ça c'est cool. Ah, je l'ai raté. Hop. Ok. Ça fait du bien par où ça passe. Hein. Par contre, c'est pas souvent que ça proc le comment le bonus que j'ai pris. Vous savez, le bonus de normalement de ferraille. Alors, est-ce qu'on peut faire le plein cette fois-ci? Faire le plein. Qu'est-ce qu'il y a dans le réservoir? Enfin, dans le jerrycan. Ah. Bon, c'est toujours ça de prix. Surtout que j'en ai vu un deuxième un peu plus loin. Et voilà, bon la voiture a disparu, la carcasse de voiture a disparu, c'est peut-être un petit peu trop rapide pour le coup là. Mais bon. Hop. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Remets celui-là. Hop, voilà. J'ai trouvé le bouton. Voilà, je prends celui-là et j'aimerais remplir. Parfait. Merci. Alors. Est-ce qu'il y a des gens là-dedans? On rigole. Oui, il y a des gens. Bah alors mon pote. Bim, bim, bim. Bim. Bouf. Des vautours en chasse se rapprochent. Qu'est-ce qu'on a ici? Deux de ferraille. Voyons voir ça. Peu ici. Bon, ils sont passés, mais ils sont pas arrêtés. Hein. Je dois pas être une menace, sûrement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ici, parfait. Des charges faites. Tu peux ramener la voiture? Impossible d'appeler le bossu. Ramène la bagnole. Putain, mais voilà. M'écrase pas. Ah, c'est beau ça. Alors, on avait dit qu'on allait les faire toutes. Quoi, on est là? Oh là, mais on est pas au bon endroit. On va aller là, on va faire ce qu'on a à faire. Je vous avais promis un campement, j'ai envie de le faire. Donc on va y aller tout de suite. Le plus tôt possible. Donc on va aller prendre les informations à côté.
Et ensuite, on va enchaîner. Et si vous êtes sage, si on a le temps, après, on ira voir notre ami. Notre ami, le personnage très, très dark. Oh, des cailloux. Ah bon, bah y a une ferraille juste à côté. On va aller faire la truc ferraille tout de suite. Alors. Enfin, y'a une décharge, pardon. Ouais, alors dans les cordes. Pourquoi pas? Qui osera? Oh oui, toi t'as osé. Oh joli! Aïe! Oh, je l'ai paré celui-là! Je crois que je l'ai pris. Non? Et boum! Joli! Voilà, bouffe! Ça, c'est sympa. Je te remercie. Qu'est-ce qu'on a ici? Ferraille x3? Et 1 et 2. Il n'a pas par là. Ah, lui, il a du butin. Sympa, merci. Des cartouches ici. C'est cool, on a une chier de cartouches. Et je mets ma main à couper que tout ça est là-haut. Enfin, ce qui reste est là-haut. L'escalier est un peu trop pas naturel, justement. Me serais-je trompé? Ça arrive même au meilleur de perdre, hein, comme dirait Régis Chen. Salaud. Mais à toi, ça doit arriver souvent. J'ai cru la voir l'espace un instant, mais... ça devait pas être ça. Chercher, hein. Ils auraient pas osé nous la mettre là-haut quand même. Ah, il y a des munitions là-haut par contre. Ça c'est cool. Aïe, bon bah voilà, on est bon à remonter. Allez, monte. Saute pas par contre. Hein. Non, non, je suis bon. Je suis bon à remonter là-bas. Dommage. Ah là là. Faire de la plateforme avec un personnage aussi lourd, c'est un petit peu chercher la merde quand même. Ah, elle était là. Non, c'est quoi ça? Ah si, il me faut le pied de biche pour l'avoir, c'est tout. Prendre les munitions. 2 balles de snipe. Hop là, ferraille. Parfait. Oh, tout ce qu'il a perdu. Ah bah oui, tu m'étonnes, là tu boites. Sympa comme endroit. Alors. On va aller à pied jusqu'au bonhomme, hein, ça sert à rien de remonter dans la voiture, ressortir de la voiture. Il m'a vu. Apparemment oui, mais ça l'a pas intéressé. Bonjour. The killer of Scrotus pups comes. Ouais. In that crack yonder, you can go in and kill with ease. Sucklings in there are weak, especially if you shut their war crier up.
Les épaves à droite de l'entrée. Pourquoi pas? Merci, madame. C'est sympa. Faible défense du périmètre. Info dotée de... Dommage. Ah! Oh non! Je vais tuer la bonne femme! Oh merde! Oh merde! Je suis désolé! Ça c'est vraiment con! Oh merde! Oh je suis désolé! Oh la gueule! Viens avec la voiture! Je m'en fous, tu t'approches. Alors. C'est qu'on va avoir du boulot là-bas. Mais, what? Be careful. I'm so sorry. Please. Bon. Bah merci, chum. C'est vraiment sympa de ta part. Surtout que j'ai pas avoir besoin de toi, je vais y aller à pied, voilà, pour la forme. Faut entretenir le max. J'entretiens le max. Niveau balle et niveau couteau, on a des trucs sympathiques. Hein. Alors c'est marrant, pendant un temps j'ai descendu à 30 FPS. C'est pas une habitude. Portail fragile. Oh. Fais venir la voiture. Parce que c'est pas discret, hein. Tu l'approches pas plus? Bring the car. Il aurait pu me rentrer dedans. Voilà. En douceur. Alors, un emblème, 4 reliques, une relique, 4 emblèmes, pardon, et 6 ferrailles. Hop, on y va sans loupiote. Essence, essence, il y a de l'essence partout. Ok. Des cartouches. Ah, la ceinture est pleine. Pourquoi pas? Raté. Aïe. Boum. Raté. Boum. Boum. Raté. Bien joué. Je te voyais pas. Aïe, je pensais pouvoir avoir le temps avec une attaque rapide. Dommage. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Un emblème. Enfin bon, il a un pied de biche, hein, il devrait plutôt utiliser le pied de biche que le cul de son arme. Alors là, je peux pas y passer. Ce qui m'ennuie. Ce qui m'ennuie. Allez! Le butin. Allons-y. On va surtout pas lâcher, hein.
vais manger un petit bout. Dinkily. Parce qu'il faut l'admettre, jusque là j'ai été mauvais dans ce camp. Tellement prévisible ça par contre. J'ai dû tellement déjà en rater. Alors. Deux. Hop. Voilà, c'est marrant. J'étais encore une fois à 30 FPS. Ça ne le faisait pas avant, ça. Un petit peu d'eau dans ma gourde. Parfait. Appelé. Vu le nombre de jerrycans qu'on m'offre, il va bien y avoir une raison. D'accord, ça c'est la roulade. Je me rappelle plus la touche pour le lancer en fait. D'accord. Parfait. Aïe. Paf. Boum. Voilà. Alors toi mon pote, bouge pas, je reviens. J'ai un petit cadeau spécial pour toi. Comme t'es coincé en haut, c'est parfait. Je pensais que j'allais pouvoir passer entre tous sans être frappé, mais comme en fait c'est un peu comme moi, je translate, et ben eux aussi un petit peu. Ce qui rend les choses un petit peu plus, je dirais, égales. Oh! Oh, ça n'a pas suffi. Oh, elle était trop loin. T'as de la chance. Voilà. Ça me fait chier de gâcher des munitions pour ça, hein. Tant vous le dire. Allez, recharge. Rien du tout là-dedans. Cul de sac, comme dirait l'autre. Une tempête? Oh la gueule! Oh la gueule, une tempête de sable! Vous croyez que qu'il va m'arriver quelque chose là-dedans? Je vais me mettre là. Oh, ça pue! Bon, apparemment, survie là-dedans. Oh la gueule! Oh la gueule! C'est épique! C'est juste absolument épique! Par contre, il n'y avait rien là-dedans, j'ai pas trop regardé du coup. Ah ah! Deux de ferraille! Il reste encore une chier de tout. Hein. Hop, on peut juste éviter tous les cartons, tous les machins, tous les bidules. Apparemment, c'est par là qu'il faut que j'aille. Mais il y a par là aussi. Par là, le mec il m'a vu. Intéressant tout ça. C'est hyper épique. Hein. Toi, c'est vraiment dommage que t'as fait. Voilà, ça t'apprendra. Je vais aller par là. Je tente ma chance. Casse-le! Voilà! Ok, pourquoi pas. On va reprendre le pont.
Vous avez promis un gros camp. Bah, je crois que c'est ce que je vous ai donné. Hein. Un camp gigantesque. Pauvre bonhomme, il a rien vu. J'avais même pas vu qu'il était là, à vrai dire. Ah. Bim. Surtout pas. Aïe, je l'ai pas vu venir celui-là. Boum, 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 boum. Alors je sais pas si je me suis pris le dernier coup là. Franchement, j'espère pas. Vache, c'est pas une tempête de mes deux, hein. Ah, la relique historique. On ne donne de la... Nous acceptons de que les coupons du gouvernement pour la nourriture. Pas de paiement en espèces. Ça commence à être la décadence du gouvernement, enfin du système en fait. Tout simplement. Ah, le voilà. Emblème de Scrotus. Je crois que c'est le dernier en plus. Voilà. Il nous reste donc une ferraille à trouver qui doit être... Waouh! Elle redouble d'intensité. Là, on va se mettre là. Boum. Allez. On va faire ça bien. Hop les. Voilà, ça c'est fait. Bon, par contre, j'ai dans le bâtiment juste à côté. Ça tombe pas à la facture, détruisez les pompes à pétrole, c'est fait. Ah, je crois que ça s'arrête en plus au niveau de la tempête. Non ? Ouais, ça s'arrête. Génial ! Par contre, si je pouvais pas. Aïe ! Si je pouvais passer, ce serait cool. Hop ! Tout est fait, c'est parfait. Repeupler le deux camps. D'accord. Je passais à pétroleur. Ah, un peu des nouveautés alors. Ah, c'est un peu mieux. Bon, on va prendre ça. Vu qu'on a une chier de... Alors là, on a aussi une nouvelle ceinture de munitions. Oh. Elle coûte 75, bon, on la prend. Alors Max, t'as encore plus de barbe, c'est ça? Ah non, tache de graisse sur le visage. Oula. Non. On va te laisser normalement. Hein. T'as de nouvelles compétences encore. Oh, c'est intéressant ça. D'accord, ouais, non, ça m'intéresse moins. Par contre, celle-là m'intéresse beaucoup. Mais bon, faut être assez précis. Pour l'instant, j'ai pas encore le talent requis. Bon. Du coup, on a plein de points. Ah, c'est bien, par contre, il barricade l'entrée et tout, c'est classe. La voiture est là. T'as tout réparé? T'as bien fait ton boulot? Bon, l'autre Tintouin. Il est là. On va aller le voir. Vu qu'on a 23 points à mettre, ça doit être valable. Hop. Et on repapillonnera un petit peu dans le prochain épisode. Je crois que tu dis ça un petit peu pour rien dire en fait. Hein, parce que franchement, je l'ai vu passer tout à l'heure là. Ah bah non. Il vient d'en avoir une tempête de ça. Il peut pas y en avoir toutes les 5 minutes techniquement. On va le faire aussi ce truc là. Alors.
encore plein de choses à faire là-dedans. Trop loin, bon tant pis. Oula. Il y a un trou droit devant, dis donc. Hop les. Où qu'il est? Ah là-dedans, d'accord. Oh oui, effectivement, il y a des peintures qui sont apparues là. Hop les. Petit dérapage sympa sur la fin. Prêt à repartir. Hello. Bonjour. Oh là là, je sais pas à quoi ça correspond. C'est sa propre folie à lui, peut-être. Hey. Ça va-t-il, copain ? Ouais. Ouais. You drifted far from what you were. Exact. But you still lie inside, dormant, waiting to rise again. Si tu le dis. No. This is what I am. Maybe not. Perhaps you fear him you carry inside. Peut-être. That he'll hurt you with his weakness. Enough. Voilà. Very well. Let's have a peek what you've hidden within. Come out. Il lui envoie des vapeurs de pétrole dans la bouche en fait. Voilà. Récupère plus de ferraille, ça c'est bon aussi. Voilà. On va sinon faire un truc assez équitable. Il m'en reste 5, j'ai oublié de les mettre, ça qui est chiant. Voilà. Parfait, on continue. D'accord, ça augmente mes niveaux de pétroleur en fait. Ok, c'est intéressant. Est-ce que du coup il aurait pas fallu justement les utiliser à la toute fin pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à débloquer? Je sais pas. Allez, on se relève. Bon. Bah nous voilà meilleurs. Bon. Eh bien écoutez chers amis, dans le prochain épisode on ira se faire le deuxième campement de la zone, puis on finira cette zone là je pense. Vous voyez, il nous reste un camp à faire plus deux champs de mines. Les champs de mines, je sais toujours pas comment les faire. Je pense qu'il faudra que je retourne à la cachette pour voir ce que ça donne. Et quant à moi, les amis, je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à regarder dans le descriptif de l'épisode vers donc le lien, mon lien à moi, vers mon partenaire gamesplanet.com. Donc il nous a gracieusement fourni le jeu, je les en remercie. Oui, donc partagez les vidéos, hein, ce sont d'excellents moyens que vous avez pour me faire connaître les amis, et je vous en remercie. Forcément, je comptais mettre fin à l'épisode. Tu m'énerves. Bam, ça t'apprendra. T'as quelque chose sur toi, forcément. Hop, prendre le butin. Parfait. Vas-y, répare. Et moi les amis, je vous remercie une fois de plus donc d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens!